45 ans après. Ah frérot. 45 ans après. 10 mois plus tard. Ah, plus on attend, plus c'est bon. Hein. Promesse tenue. Hein. Elle est là la voiture. Merde. Je sais que je l'avais jamais vu. Ok d'accord. La journée. Je n'avais jamais vu frérot la journée. Le son, c'est bon, on a compris, frère. On va acheter des trucs, t'inquiète pas. Non, on va rien acheter, non. On va rien acheter, non. Ouais, en tout cas, elle est magnifique, frérot. Ah, merci. Et du coup, alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que t'as fait avec cette voiture, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Frérot. Bah, celle-ci, la voiture, elle est horrible. C'est vrai, j'adore. Designo. Ouais, ouais. Après, elle a un paquet Train Tech. C'est-à-dire, tous les trucs que tu mets en carbone, c'est un kit Train Tech. D'accord, elle a le full kit extérieur. Ouais. Ok. Niveau prépa moteur, là, par contre, je pense que. Ouais, ça aussi. il y a surtout ça. Ouais. Bah, le moteur, il est forgé, bloc, piston, tout a été démonté, réassemblé. Tout a été refait, gros turbo pour tout fumer. Combien de chevaux? À peu près 900 chevaux, 850. C'est tout ce que je voulais entendre, ouais. Je voulais aussi filmer ça. Ah putain, mais bah, c'est mais bon. Frérot, c'est. Mais attends, mais c'est des phrases de fond de teint, ça, espèce de chacal. Quel fond de teint? Arrête, c'est une meuf qui s'est frottée, ça, c'est du fond de teint, ça, chacal. Bon, on était bien censé filmer, moi, je suis chacal, putain, mais tu me caches des trucs, toi. Je ne peux pas avoir des petites couilles qui poussent, putain. Tu me caches beaucoup de choses, toi. Je te casserai du tout. Il y a du sang, du sperme. Ce t-shirt, il a fait la guerre. Elle a même la marque qui nous l'a baisé, frère. Te fais pas écraser, mon petit cher Alex, attention. Ouais, ça serait relou. Johnny la classe S, il s'en fout, il a pas le temps, lui. Ok mon frérot. Et donc du coup peinture d'origine, ouais. Kit extérieur M-Tech partout, carbone, comme ouais. Vous pouvez voir ici, avec une préparation du seigneur. Ouais, tout à fait. C'est toujours ton Insta ça frérot? Toujours. Ok, viens frérot. Toujours. Ça c'est son Instagram. Et Dims qui avait fait l'un des plus gros scores de la chaîne avec le M5 du seigneur. Est-ce que ça, comparé au M5, c'est pire? Oh, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oh. Ok, bon. Est-ce que on peut ouvrir le capot, oh, filmer, après on va faire un tour, je pense que c'est le plus important. Bien sûr. Le plus impressionnant, c'est pas l'extérieur, c'est oui, dedans. J'ai l'impression que. Dedans, bon, tu sais quoi, je vais dire un truc très honnête. De toutes les voitures où je suis monté dedans, c'est l'une qui m'a le plus choqué. Ah bon, là, ouais. C'est ah ouais incroyable. En fait, deux voitures, la P100D et celle-là. En termes d'accélération et de sensation. On va voir ça tout de suite alors. Ouais, bah c'est parti, ouais. Frérot. L'intérieur est full d'origine. Ça sent le jasmin, c'est bien, frérot. Ah, j'adore cette odeur. Ça m'appelle les putes en Thaïlande. Salut mon fils. D'origine avec le nouvel écran. Celle-ci c'est une phase 1. D'accord, donc t'as mis un nouvel écran dessus. Ouais, voilà. Est-ce qu'on pourrait juste. Frangin, elle est dangereuse la voiture. Oui. Ok. Oui, c'est pire que l'autre. D'accord. Pas de problème. On peut couper la musique s'il te plaît. Merci, bro, c'est gentil. Donc du coup, ouais, avec le nouvel écran, donc les petits inserts ici autour de la montre qui sont très jolis, etc. Voilà, on a le Alcantara carbone ici. Ouais, avec les petites palettes. Ouais, elle est belle, frère. Ouais, frère, à l'intérieur, je passe par là. Ouais, tu pourrais passer par là à droite, s'il te plaît. Ça fait plaisir de te voir, frérot. Pas trop dans les... Non, puis si, ça sert à rien. Un peu partout.
partir à tout moment. Elle part. Ouais. Comparé à la M5, est-ce que tu peux nous expliquer un peu est-ce qu'elle te fait plus peur, moins peur, etc. Comment c'est. La M5, elle me faisait plus peur parce que les BM en termes d'adhérence, ouais. La propulsion a fait plus peur que les AMG. Elle est plus traître. Voilà, elle est plus traître. Sur les AMG, c'est plus travaillé. Ouais. Donc du coup, celle-ci, je veux dire, je mets pied dedans, elle va partir, mais elle reste droite. Voilà, d'accord, ok. Elle patine droit, quoi. C'est moins dangereux. C'est moins dangereux. Ok. Tu préfères à la conduite celle-ci ou l'autre? C'est compliqué. J'aime bien les deux parce que l'autre, elle était bien plus joueur. Ouais. Et celle-ci, t'accélères, ouais, elle part, mais. Ouais. On reprend le petit tunnel là, tu te rappelles le petit tunnel? Non, attends, mais gros, mais tu sais que là en fait c'est un truc de ouf là. Non, t'as rien vu encore. Tu savais que ça marchait comme ça? Sur la tombe de mon père que je mens pas, que c'est un truc de malade mental. Moi j'ai hurlé. Sur la tombe de mon père que je mens pas, je suis pas en train de vous mentir, je suis pas en train de dire ouais pour la vidéo et c'est pas quoi. Je te jure que là c'est. Genre limite j'ai pas envie qu'il prenne la tunnel. Mais vrai que c'est terrible cette voiture, c'est terrible. C'est une terrible nouvelle, monsieur. On dirait qu'il y a un. Non. Ouais, t'as vu, il y a même de la fumée qui sort du capot. Ouais, non, je suis en train de me déchauffer, mon gars. Moi j'étais là, ouais, tranquille, petite balade de CLS avant d'aller dîner, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir avec une CLS d'origine. 900 bourrins, elle fait? Ouais, plus ou moins, ouais. Le couple surtout, c'est ouais, ça. Ouais, plus de couple, il y a 1200 Nm. Non, mais frérot, y a personne peut la jouer avec. Encaisse. La boîte elle est renforcée ou il y avait non, d'origine les AMG ça encaisse beaucoup, ça encaisse pas mal. Ouais, par contre t'as dû forger le moteur. Ouais, obligé. D'origine il est forgé. Ouais. Mais il est encore plus forgé que reforgé. Tu vois, ok. Il était encore retenu plus qu'à l'origine, tu vois. Ouais, c'est un truc de ouf, quoi. Ouais, c'est un monstre la bagnole. Personne n'est devant lui, c'est ça. Je sais pas, moi je roule pas comme un fou non plus, mais. T'as tiré contre quoi là déjà? Franchement, je tire même pas. Ah, t'en fous. Juste tu kiffes. Tu roules, tu kiffes. Ouais, je kiffe tout seul. Ah, t'as raison, ouais, t'as raison. Je suis personne, Les gens qui m'incitent, justement, bah je ralentis. Je me mets sur la droite, et quand l'envie me prend, bam, j'accélère. Quand t'es chaud, vas-y. Quand je suis chaud. En plus, on me voit pas, tout est teinté, fou. Ouais, bah oui, tout est teinté là. Donc côté, pare-brise, tout. Voilà. Tout est teinté. Mais tu l'as essayé quand toi, Alex? Ça fait longtemps. On a fait le périph, là, c'était il y a quelques mois, ouais. Ouais, quelques mois. Il s'est passé des choses, du coup, mais bon. C'était un truc de ouf. Ouais, c'était un truc de ouf. Bah, ce jour-là, c'était un truc de ouf. Cette soirée-là était assez ouf dans sa globalité. Et merci, j'y étais pas là. Ouais. Oui, parce que ça aurait pu mal finir, entre guillemets. Ça fait longtemps, on devait faire la vidéo, mais le temps. Je suis jamais avec la même voiture, jamais avec celle-ci. Ouais, c'est vrai, parce que t'as plusieurs bagnoles, toi. Ouais, la dernière fois qu'on s'était vu, j'étais avec la Massey 63 aussi. Ouais. Après, celle-ci, je roule pas trop avec. Parce qu'à bon, après. De toute façon, tu postes un peu sur Insta ce que tu fais avec tes voitures, ouais. Donc c'est pour ça, c'est quand même important, les gars, allez le suivre, hein, tu vois. En plus, Dims, quoi, c'était l'un des premiers de la chaîne, quoi. Tu vois. Ouais, j'ai eu des retours positifs, hein, des gens qui étaient. Oui, bien sûr. Ils ont dû t'harceler pour que tu reviennes aussi. Ouais. Non, mais ça fait plaisir, on t'a envoyé. Je crois que sur chaque vidéo, je te disais, mais il est où? Mais il vient de quand? Mais machin. Mais c'est bon enfant, parce que voilà, c'est la famille, frérot. C'est ça qui, c'est ça qui fait plaisir, mon frérot, bien sûr. Mais au moins, voilà. Aujourd'hui, t'es là, mon frérot. Je suis là. Puis, ouais, on aurait même si c'est 10 mois plus tard. 10 mois plus tard. 10 mois plus tard. Au début, c'était 10 minutes. Après, Alex, il l'a rendu 10 mois. Après, dans 10 ans, frérot. Ah oui. Non, mais ça fait plaisir, c'est marrant. Moi c'est 63 dans ce mec. Et frérot, juste j'ai une question. Est-ce que c'est une prépa qui est safe? Ou c'est dans. Il peut y avoir, c'est con, mais de la casse, des conneries. Attention, frérot. Ouais. Enfin, tu vois, quand tu fais une prépa, t'es jamais serein. T'es jamais serein, tu vois. Ok. Après, tu peux aller là à gauche, hein. Tu peux le prendre la deuxième fois ici par là en fait, si tu veux. Mais t'es jamais serein, t'es quand même sur quelque chose de. Voilà, c'est stable. C'est stable, ouais. Bah, le moteur il a été refait encore. Il a été refait deux fois. Ok. La première fois, il y avait trop de boost. D'accord. Donc ça n'a pas spécialement tenu, tu vois. J'essaye. Waouh! Ça, c'est un truc de malade! Oh. Ah ouais, non. Ah ouais, non, là, c'est pas du tout en fait. Là, c'est. Wesh! Merde! Ah ouais, non, franchement, j'ai jamais rien
sur cette chaîne-là, j'ai jamais rien testé de plus violent que ça. Et franchement, frérot, tu sais, je vais te dire un truc de ouf. Quelle voiture m'a donné cette sensation-là? De tout ce que j'ai eu, c'était l'Aveyron. Ouais, c'est... Frérot, l'Aveyron, je me rappelle que mon cœur, il montait comme ça, ça me faisait peur comme ça. Ah ouais, non, frérot, là, non, là, t'as une vraie voiture. Toi, tu le sens, mais moi, je sens rien du tout. Oui, toi, tu sens pas, parce que t'es, ouais, t'es le conducteur. Je sens rien du tout. Mais le passage, ouais, bah oui. Mais là, j'ai envie d'avoir encore plus de chevaux, dis-toi. C'est pas assez. Génial. C'est pour ça que je t'ai dit que c'était la P100D qui m'avait fait le plus en sensation possible. La P100D, c'est une merde. Ah oui, bah alors comparé à ça, ouais, je te coupe. Ah oui, d'accord. Okay. Ah ouais, frérot, toi, t'as fait demi-tour, tu sais. Ah oui, d'accord. Bah, c'est vrai que c'est pas fou. Oh putain, la vache. Oh là là, putain, quoi, ça fait fuck. C'est quand je la prends, c'est que pour ça, pour être. Dans le film. Oh là là. Allez, go, doucement, go. Doucement, doucement. Doucement, ah ouais, non. Non, c'est voilà, ouais, c'est une tuerie en fait. Putain la vache. Waouh. Waouh. Ouais, ça pousse plutôt bien, tu vois. Elle marche super fort. Si l'autre tunnel on va le prendre doucement, c'est là où est morte Lady Di, frérot. Ouais. Et c'est le tunnel qui porte la poisse. T'inquiète pas. Non, non, je m'inquiète. Oh, on va pas mourir. Hein, j'ai pas de conneries. Non, mais sérieusement. Waouh. Ouais, non, c'est non. Honnêtement, franchement, bah voilà, je vous le dis, c'est la voiture qui marche le mieux de la chaîne, ça, sans aucun doute. Je te le dis. Mieux. Ah non, gros, de ce que les gens ils sont venus me présenter sur ma chaîne, là depuis, ouais, c'est jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, déjà c'est ce qui marche le mieux. Ouais, non, c'est diabolique. C'est diabolique. C'est... Tu vois ce que tu peux remarquer aussi? Tu vois, ça reste une berline, une voiture normale. Bah, ouais, normale. En fait, si tu veux la conduire tranquille, tu peux. Tu peux, regarde, là je me mets en mode normal. Ok. Vois, le bruit, regarde, fait. Là, t'es en mode confort. Je suis en mode confort, mais là, en mode confort, elle doit faire 600 chevaux par là. D'accord. Après, ça change la carto du coup? Ouais, ouais, bah ouais. Okay. Ouais, la carto, la boîte, tout. Tu vois, les gens, quand ils te regardent, tu vois, ils te parlent avec toi, tu vois, ça fait plaisir. Non, bien sûr, c'est une voiture qui plaît. De toute façon, physiquement, le CLS est très beau. Et ouais, ouais, dans cette configuration-là, en plus, elle est vraiment belle, quoi. Ouais, mais par contre, putain, dès que t'appuies, frérot. Ah, dès que t'appuies, c'est... Mais ouais, ouais, franchement, Alex, heureusement que toi, t'as pas ça. Ah, moi? Mais tu sais que je me tue. Non, faut pas me donner un truc comme ça. Frérot, toi, franchement, non, non, toi, tu tues Alex en fait. Ouais, mais... regarde, là, je suis. Ouais, là, t'es en normal. Là, je me mets en normal. Toi, ça pousse, mais ça sort par là ou? Ouais, s'il te plaît, par là. Ouais, s'il te plaît, loup. Je remonte. Ouais, tu remontes et on va prendre à droite. Tu vois, en mode confort. En tout cas, ouais, ça pousse bien. En mode confort, ouais, en mode confort, ça marche bien. C'est stable, c'est bien. C'est stable, ouais. Tu vois. Tiens, pourtant, tu vois, j'ai accéléré tout à l'heure, t'as vu, t'as pas senti de la voiture. L'adhérence, elle était là. Oui, 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 non, c'est vrai, non, il y a quand même une sacrée adhérence, quoi. Ça, c'est sûr. T'es en Falcon en plus. C'est... Ouais, ben justement, en fait, avant, je mettais des pneus qui valaient super cher, des Continental, des Dunlop, tout ce que tu veux. Ouais. Et j'ai remarqué que ça tenait pas tant que ça. Et d'accord. J'ai changé tous les 2000 km. D'accord. Et je suis passé au Falcon à l'arrière. Ouais. Et franchement, c'est pas très cher. C'est pas les premiers prix, mais c'est pas très cher. D'accord. Mais ils tiennent bien et la voiture, elle bouge pas. D'accord. Et depuis, je prends que ça. J'ai des pneus en. T'as des projets sur cette voiture là ou pas? Là c'est fini. Là fini? Ouais, d'accord. C'est fini. Peut-être augmenter la puissance un peu plus. Mais... tu vas te refaire une caisse, tu penses? Une là, caisse à droite, s'il te plaît. Acheter une autre voiture? Ouais, est-ce que tu veux. Là aujourd'hui, t'as quoi? Si tu peux nous le dire, hein, si c'est pas privé, parce que là, je sais que t'as. Plus grand chose. Là, j'ai plus grand chose. J'ai la dernière C63S. D'accord. Là, en préparation là. D'accord. Je fais une prépa moteur. Je vais qu'elle sorte 600, 650 chevaux. Ok. Rabaisser pareil. Elle sera pas full black, elle serait d'une autre couleur, elle est d'une autre couleur. D'accord. En satin toujours. Ok. Gros jantes. C'est tout, hein. Franchement, les voitures maintenant, c'est bien, mais c'est un. Il y a un temps, hein. Ah oui, il y a un temps pour tout, hein, bien sûr. Tout, hein. Voilà. Tout le monde change, hein. Ah oui. Tout le monde change, frérot. Je vais me calmer avec la C63 et puis voilà. Ouais. Ouais. D'accord. Bah, franchement, ouais, c'est une très belle voiture et que tu peux utiliser, je pense, tous les jours. Ça peut t'arriver de la conduire tous les jours, celle-ci? Non. Non, je passe pas trop de temps. Je voulais... Mais le C63, ça c'est ouais, le droit. Tous les jours. Ouais. Tous les jours le C63. Ouais, tous les jours. D'accord.
Tu regardes, t'es pas arrêté. Hein. L'USB il est actif. Hein. Tu sens que les roues elles bloquent. L'USB il doit rien comprendre. Ouais. Celui-là, cet ESP là, il doit être en Y tous les matins. Dès que je le désactive, c'est mort. Là, on. T'as pu un peu la pousser par exemple en Allemagne ou sur circuit ou conneries ou jamais? Franchement, pas plus que ça. Moi je suis pas trop pour la vitesse à monter à 300, 400 km/h. Ouais. Je suis plus pour faire 100 à 200 rapidement. Ouais, tranquille quoi. Tranquille, ouais. Avoir de la reprise. Monter à 300, 400 ça m'intéresse pas. D'accord. Mais je sais que si je veux la monter à 350, elle les monte. Sur le banc, elle les a fait. Ouais. Elle les a fait 350. Ouais. Mais moi je les ferai pas. C'est dangereux en plus. Non, c'est très dangereux, ouais. Ouais, c'est dangereux. D'accord. Ça, bah, défile. Ah bah oui là tout défile frérot à cette vitesse quoi. Mais ouais non t'as raison. Ah, il m'est arrivé un truc il y a pas très longtemps. C'était même pas moi qui conduisais, c'était un pote. Avec celle-ci. Avec celle-ci. Hein. Ah ouais, mais ça côté, c'est hein. Ça gros c'est pas à pas mettre entre toutes les mains je pense. C'est à côté, il y a un pneu à 260, le pneu il a éclaté là. Oh là là. Et la voiture elle a pas bougé. Ouais. Ah ouais. Ouais, elle a pas bougé. T'as eu une petite peur quand même. Grosse peur. Mais les gens vu qu'ils sont forgés, tu vois. Et les pneus ils sont très fins, ouais. Donc on n'a rien senti en fait. Okay. Donc la voiture elle a pas bougé, ouais. On a juste entendu un bruit d'air, ouais. On s'est arrêté, on a vu que le pneu était éclaté, franchement, c'est impressionnant. Bah heureusement, parce que franchement à cette vitesse taper un pneu, waouh. Donc elle est pas traître, c'est une voiture qui non, est pas traître. Non, elle a pas bougé, mais pas bougé, c'est impressionnant. D'accord, ok, bon. Bah écoute franchement merci frérot, ça fait plaisir. Ouais, ça fait merci plaisir. D'être venu en tout cas. Ouais, ça... Les amis, oui bien sûr. Les amis pouvaient ajouter Dims sur Instagram, donc Dims Baland, tout attaché. Hein. Et puis voilà. Moi, si vous me cherchez sur Insta, c'est Akram Junior. Alex ici présent. Alpha Delta Fiu, Alpha Delta 06. Ouais, je me suis juste un peu chié dessus, mais tout va bien. Attention, la bécane là. On va prendre à droite là, s'il te plaît. Ok, les amis, bah merci en tout cas. Dites-moi dans les commentaires. Bah, je pense que de toute façon là. Dans les commentaires, tout le monde a dû comprendre, je pense, que c'était comme genre de voiture. Toi, t'es venu deux fois sur la chaîne, deux fois tu m'as choqué. Ah. Et je me rappelle au début, j'étais encore avec ma perche de la GoPro comme ça, vrai, avec le stabilisateur. Et quand il accélérait, le stabilisateur, enfin, c'était un truc de ouf. Et t'es passé deux fois, les deux fois tu m'as séché, mais celle-là, c'est un démon. C'est un gros. Celle-là, ça n'a rien à voir, frérot. C'est le M5 était top, mais celle-là, non. C'est trop. Ah, je t'avais dit que ça avait rien à voir. Je pense que la phrase à ne pas mettre entre toutes les mains, elle est pour cette voiture-là, vraiment. En tout cas, merci à toi, frérot. Les amis, là, c'est à droite, s'il te plaît. Les amis, merci si vous voulez vous abonner à la chaîne et me dire ce que vous en avez pensé, ça ferait plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.